conquête de la montagne de l'Huron. Oui, Vicky, je suis. Alors l'objectif est là-haut, où on aperçoit les antennes. Ouais. Ces arbres sont absolument magnifiques. Qu'est-ce que t'en penses, Marie-Noël? Ça nous fait un excellent exercice pour les 25 bosses, ça, hein? Bon exercice, hein? On se croira le mois d'octobre. C'est le parc, le mois d'octobre. C'est presque une promenade d'automne. Alors la forêt est magnifique, mais alors merci Météo France qui nous avait annoncé un grand ciel bleu pour toute la journée. Et en fait, on a presque un temps de Toussaint. On retrouve quand même la neige. Ah, le sommet est en vue, hein. Voilà, bah c'est bien dommage de ne pas pouvoir profiter. Ah, il n'y a plus beaucoup de neige, mais il y a quand même une belle corniche là. Gentiment. Alors le programme c'est? On suit les crêtes en suivant les marques du GR jusqu'à la station de ski de Lure, qui est avant nous. Et à la station de ski, il faudra jouer si on prend le chemin à droite pour agrandir un petit peu, ou si on descend droit vers la voiture. Allez, voilà le Ventoux en face dans la brume, là-bas dans le fond. Ah, le
C'est comme en raquette. C'est une descente sauvage. Parle de pantalon.